a vu l'immense tristesse des Guadeloupéens suite au décès de Mme Lucette Monsieur-Chevry. En plus, aujourd'hui, c'était la commission permanente du conseil départemental. On sait qu'elle a été présidente du conseil départemental, mais au-delà, au niveau national, première femme présidente d'une commission départementale en France. Donc, vous comprenez, nous ne pouvions tenir, dans pareille circonstance, une commission permanente sans rendre cet hommage auprès des autres élus pour cette dame qui a été Mme Lucette Monsieur-Chevry. J'ai tenu à saluer son charisme exceptionnel, mais également sa détermination au profit donc, des différentes causes de la Guadeloupe. J'ai également insisté sur son combat, et qui est aussi mon combat, concernant la domiciliation locale du pouvoir. Et lorsqu'on est président d'un exécutif, on ne peut qu'aller en ce sens et cette nécessité pour renforcer cette domiciliation du pouvoir local. Je voudrais également profiter pour adresser toute ma sympathie, mes condoléances à toute sa famille, à ses enfants, à ses proches, mais particulièrement à Marie-Louise Panchard. On sait cette proximité, nous avons travaillé ensemble et j'imagine aujourd'hui quelle est sa peine, quelle est sa douleur. Donc c'est très important dans pareilles circonstances d'avoir le soutien de tous les autres.